Salut les gars, il fait beau, il y a de la neige. Alors faut que je prenne les grands axes, parce que là je suis passé dans une petite route, c'est pas déneigé. Et c'est vraiment agréable. Pas chaud, mais c'est trop beau. C'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment plaisir. Soleil, neige, tout quoi. Allez, à tout à l'heure. C'est une sortie d'endurance pure, alors je m'étais tâté à y aller, je roule doucement mais je regrette pas. Ça me manquait la neige, ça faisait longtemps. Bon, je sais pas si tu as déjà fait de la luge vélo, mais là je suis en train d'en faire mon pote. De la luge vélo. Alors je suis à 2 km/h, mais qu'est-ce que je m'amuse. Bon, je roule doucement les mecs, hein. Mais c'est top. Ah, moi, ça, j'ai de la buée dans les lunettes, je sais même pas ce que je fais. Voilà, une route sous les arbres, donc obligé d'aller doucement, et on va rentrer, hein. Il me reste 25 km et on a la neige. Bon, c'est fini pour moi, il me reste 10 bornes. Je vous dis à la prochaine séance. Bon, salut les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, je parle doucement parce que les amis qui dorment. Bon, il va y avoir une différence entre aujourd'hui et la dernière vidéo, enfin la dernière séance d'entraînement. C'est normal. J'ai perdu quelqu'un de très cher, donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos. J'espère que toi aussi, tu roules en arrière ton écran, moi qui me regarde. Alors, je sais pas si bientôt, ou tu as déjà repris les courses, ou tu reprends les courses comme moi, mais voilà. N'hésite pas à me le dire, parce que c'est quand même intéressant, hein. On est là pour partager ensemble. Alors, je vais manger, je vais me faire mon petit café comme d'hab. Bon, tu connais un peu la maison maintenant, hein. Avec des conneries, là. J'espère que madame, elle a commandé du café, parce que la dernière fois, elle n'avait plus. Alors, tu sais, je suis parti sans café pour faire ma séance. Bon. C'était pas top. Hein. L'or expresso. Ouais, ça, c'est bon café du matin. Et j'ai une cafetière l'or, tout simplement. Il fait 3 degrés, enfin 4 degrés, mais ressenti 0 parce qu'il y a 50 km/h devant. Et oui, on habite en Normandie, on n'habite pas. Il y avait un poil qui est passé, t'aurais pas pu me le dire. Extraordinaire. Bon, c'est parti. Hein. On va prendre ce petit café. Hop, 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 cafetière. Non, tasse. Et oui, tasse. Pas le boire à la main, le café. Hein. Si t'as pas de tasse, t'as pas de café, quoi. T'as compris? Elle me suit, la caméra, là? Ouais, c'est génial, putain, c'est extraordinaire. Donc là, hop, on est parti. La petite tasse. Café, on appuie là, sur la machine ici, qui est là. Cette année, on va faire... On va faire plusieurs courses à étapes. Alors ça, c'est voir des vlogs. Vous allez avoir des vlogs en intégralité. Enfin, en intégralité sur la durée. Il va y avoir Enzo. Je vais avoir des caméramans. Donc, il y a des personnes qui vont nous filmer en intégralité, vraiment dans le jus. Encore mieux que les dernières. Hein, parce que les dernières, tu as vu sur la chaîne, il y a l'intégralité des routes de l'Oise en trois séances. Donc là, je suis au point le plus haut de l'Oise. Je te montre. Bon, on voit pas bien, mais... On appelle ça, c'est le haut du Pays de Bray, on voit très loin. Il y a une table ronde ici. Table d'orientation, quoi. Table ronde, table d'orientation. Enfin, tu m'as compris, quoi.
C'est un pic très haut dans l'Oise. Pas te mentir qu'avec le vent de face, c'est pas très simple. Hein. Bon, là, c'est la période, hein, c'est mars, tout ça. Donc, c'est la période où c'est les nuages, c'est le vent, c'est la flotte. On connaît tout ça vivement le printemps. Hein. Tiens, je te montre. Voilà le point le plus haut dans la région. Tu vois, la table, elle est là. On appelle ça. Voilà. Ah, c'est joli quand même. J'espère que j'ai pas crevé, le mec. J'ai l'impression que ça rebondit. Bon, allez, je suis en descente. A tout à l'heure, les mecs. A tout à l'heure. Allez, il me reste 17 km. Toujours le même temps, les mecs. Et on se retrouve pour l'arrivée à la maison. A tout de suite. Descente en vue. Retour à la maison, 70 km. 2h20. Pas mal. Moi, je te dis à demain avec les potes. Et puis les vlogs continuent. Hein. A très vite. Salut les gars. Bon, aujourd'hui, on est dimanche. Et le dimanche, on est parti pour une sortie avec les copains. Donc dimanche, sortie botte. L'impression de vivre le même jour, tu sais. Là, je suis le... Tu vois, on est sur du... On est sur la même journée, quoi. La même journée qu'hier. Un peu plus froid, un peu plus humide. Mais voilà, quoi, on est sur quelque chose de... Bon, voilà les mecs. Il est où? Elle est où la pépette? Elle est où la pépette? La pépette, elle est où? Tinka? Bah elle est là, regarde, elle est là. Elle est là, la belle. Oh lolo, qu'est-ce qu'elle est belle? Elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est un Yuski, mon pote. Il y a Maxou qui va arriver dans un moment. Et puis c'est bon, ouais. Là, on est parti sous le froid. Alors je vais mettre... j'ai mis deux couches, là, tu vois, hivernales. J'ai mis une thermo là. Et puis en dessous j'ai mis le. C'est les thermos d'écoille derrière, ils font des bons produits. Hein. Tu te calmes, oui. Oh. Bah là, Nel. Bah là, les gars. C'est bien. Bon, là, tu vois, je mets un thermo là. Tu vois ici. Écoille. Donc ils sont très très bien, je trouve. Et puis après, après on va partir rouler, deuxième couche, et puis la couche de Direct Energy, la veste Gotarex ou Protarex, on ne saura ce que c'est, mais c'est du Terex, ouais. Terex à mort, on est sur de la qualité extraordinaire, voilà. Allez, je t'embrasse, je te dis à tout de suite sur la route, et on est reparti. Hein. Voilà les gars, là on est en direct avec les copains, bah, ça roule hein. Normal, en équipe. Il se fait quoi là, bro? Participe quoi là? Toujours en train de rochonner ce mec là. Comment tu commences à m'emmerder hein, je te le dis hein. Raton hein. Ah comment c'est beau là, Guigui, regarde un peu là putain. Mais oui, regarde, il y a les éoliennes et tout. Tu vois pas, t'as pas envie de regarder hein. Mais qu'est-ce que t'as, merde. On peut pas parler avec toi hein. Hein, j'ai remarqué ça déjà hein. C'est vrai qu'il y a un petit mélange de Yohan Mouzéou et... Ah, ça a été bien, je trouve que là... T'es extraordinaire hein. Ah bah attends, ça va rester dans la boîte hein. Eh, t'auras une vidéo au moins. On a combien de banques, Guigui? 89. Combien? 89. Bah attends, mais je suis pas à 100 bornes là, faut faire 100 bornes. Hein,
89, c'est pas assez, non? S'en pense? Bon, il reste 10 bornes, quoi. Hein? Ouais, mais on prend une boucle dans le bord, même. Quoi? Vas-y, répète-le. On fera une boucle d'engournée, ça te va? Voilà, une boucle d'engournée. J'ai mal. Tac-tic. Alors, 1h15, ok, d'accord. Bon, on va faire ça. Ça va pas requérir. Ah oui, parce que je mets ça. Quand j'ai des séances spécifiques, hein, je mets pas, mais ça me fait chier de les mettre sur le compteur. Bip, ça m'énerve. Donc moi, je suis un vieux de l'ancienne, hein, je suis comme à l'ancienne, donc je mets des petites étiquettes comme ça, je sais où j'en suis. Ah, c'est comme ça que je marche. C'est comme ça que ça me va. Voilà. Il va me dire, ouais, Elcox, t'aurais pu mettre ça sur le compteur. Elcox, tu peux dire ce que tu veux. Elcox, il a une idée derrière. Il l'a pas ou. Hein. T'as compris la suite. Moi, je préfère mettre des petites étiquettes. C'est comme ça. Alors, j'ai essayé le compteur, j'ai tout essayé, j'ai essayé le faire, mais ça me convient pas, je sais pas, j'ai un truc que j'aime pas là-dedans. Je suis à l'ancienne, hein. je suis peut-être débile, hein, mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Douzième voiture, route de l'Oise, 12e bagnole. Voiture suiveuse, première étape, 12e voiture. Bon, on va pouvoir tenir là de la première étape, hein, parce que la première étape, elle est dure. Mais bon, si on arrive toujours dans les 10 à la première étape, c'est quand même bien, quand même. Parce que les derniers, on était les 25e. Là, je vais ouest. Salut les gars, bon, là, je suis dehors. Bon, il fait plus ou moins beau, arrêt pipi, hein, voilà, ça fait 1h45 que je roule, il me reste encore 1h15. Je suis du côté de Méru, pour ceux-là qui connaissent. Méru, quelle belle ville, hein. Voilà, donc là, on est dans la pampa, mon pote, tu vois. Voilà, c'est, pour ceux-là qui connaissent, du côté de Méru, mais je vais vous donner quand même où je suis, hein. C'est là, c'est Bachivier, hein. Commune de Montchevreuil, hein. Voilà. Avec le beau vélo qui est là. Donc là, je suis parti pendant une heure, j'ai fait 1h30, vent de face. Terrible vent de face, il est continu, ça doit souffler à peu près à... Le vent souffle entre 20 et 25, à peu près, un peu plus même, je crois, par moment, des rafales un peu plus. Donc là, on est parti pour rentrer, quoi. Hein. On se reprend tout de suite sur le vélo, parce que je vais pas trop tarder, parce que plus tu tardes, plus t'as froid, plus c'est dur à repartir. Hein. Sinon je vais crêcher ici et madame va pas être contente. Elle est aux conneries. Allez, à tout de suite les mecs. Bon voilà les gars. Bon bah elle est bien rentrée. Maintenant, place au lavage. Et nous on se retrouve demain avec les potes. 2h45, 85 km. Bon, il y a un mec qui vient de crever de chez nous là. Je vais vous montrer comment il change un pneu. C'est celui qui m'a appris comment changer les pneus. Vous vous rappelez au Portugal? Ah, c'est lui, je vous montre. Ah, pas la même météo. Ah non, mais attends, on peut quand même, parce que on est sur une qualité. Attendez, je vous montre les gars, parce que tant que ça tourne. Putain, t'arrives à appuyer trois fois dessus, là? Maxou, j'arrive pas. Là, j'ai deux exigences. Putain, connard. J'ai l'impression d'être en dictature. J'essaie d'appuyer trois fois sur le bouton, putain. Trois fois sur le bouton. Filme parce que là il c'est celui-là t'as handicapé là hein. Je te jure j'arrive pas, je vais mal dire nous. Celui-là là ouais, trois fois. T'es molote tout court. Trois fois de suite. Arrive pas. Putain. Hein, toi aussi con que la machine toi. Mais non mais c'est ta machine qui est con, regarde. Mais... Regarde. Ouais. Un, deux, trois. Non mais un, deux, trois, t'as fait un, deux. Non. Non, il a fait trois. Un, deux, trois. Regarde, ça y est. Ah mais c'est trois fois là, c'est recentré, t'as appuyé deux fois. Vas-y, ça filme. C'est direct dedans, t'es l'enfant. Qu'est-ce qu'il s'est mis dans la gueule hier? Il s'est là, c'est bon. Ah, c'est bon là. Ouais. Allez, change le pneu. T'as rien trouvé? J'ai rien trouvé. Il faut que je change le bouton. Putain, c'est vrai. Allez, handicapé, toi. Regarde, putain. C'est un truc de ouf quand même. Je
chercher le trou. Je suis un vrai parisien. Il a pris la chambre. Avec ma petite cartouche, toi, Guillaume. Moi, j'en ai marre, je vais rentrer. Si je vais appeler Maria, je vais dire qu'elle va venir me chercher. Hein? Ah ouais, je veux bien. Ah ouais, je te jure, je veux bien. Elle vient comment, Maria? Bah, c'est merde, tu as appuyé sur une pédale, non? C'est même pas allumé la bagnole. T'as pas un start and go? Merde, hein. T'arrives pas à appuyer, putain. Il y a un truc. Regarde, vas-y, appuie trois fois sur le petit bouton. Le rouge là. À droite. Il tourne pas, elle veut pas tourner. On est complètement niqué. Ouais, elle est niquée. Merci Maxou. On a insisté, mais viens. Ouais, bien comprendre. Je crois qu'il faut vraiment rentrer ouais. Le. Non, tu nous expliques comment tu changes ton pneu là. Non, ça. T'as pas gonflé un petit peu la chambre là. Maxou. Hein? Il n'a pas gonflé un petit peu la chambre? Non. Vous êtes vrai des pros, les mecs? Ouais, oh, c'est vraiment des connards. Là, vraiment, hein. Tu gonfles légèrement. Ah ouais, bah oui, pour que. Bah, c'est clair. Pas trop. Moi, je l'ai gonflé un peu trop. Mais... Non, après. Mais attends, moi, c'est un petit peu. Ouais. Toi, tu testes la chambre avant de la monter. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh putain, j'y arriverai pas aujourd'hui. Oh là, ce connard! Bien froid, ma biche! Oh putain. C'est quoi ton fond de petit chevaux? Ah hein, oh, je le caille là, ça y est, je crois. Pas de tourner dans les doigts là. Petite chose à souligner, ça fait un quart d'heure qu'on est là pour changer un pneu, donc le pneu de Guillaume, parce qu'on a, on a vraiment du mal, on a vraiment froid et on a vraiment du mal, donc Guillaume qui est en bleu, et Antonio et Maxime qui sont en noir, qui vont changer le pneu de Guillaume parce qu'il a vraiment du mal, et là on peut voir Guillaume qui se barre sur la route en train de faire du stop. Ça c'est quand même extraordinaire d'avoir une réaction comme ça, parce que ça fait un quart d'heure qu'on lutte pour changer le pneu, et c'est son propre, c'est sa propre roue. Et lui, limite, il y aurait une voiture, bah, je connais, il serait rentré, quoi. Il aurait mis le vélo dans le coffre de la bagnole et il serait barré. Et ça m'a fait vraiment rire parce que c'est au montage que j'ai pu le constater. Et je trouve ça quand même extraordinaire parce que je l'avais pas vu quand je filmais en direct, quoi. Bref, c'était un petit aparté, mais ça m'a fait vraiment rire. Voilà. C'est top. Tu commences vraiment à me faire chier, Guillaume. Hein. Mais rentre pas dedans, pauvre con. Enlève-le, là. Appuie. Et tu sais, après que tu le. Non mais attends. Mais avant faut c'est que bon, tu... C'est bon. Voilà. Oui, tout le contraire, l'autre. Ouais. C'est le contraire. Tu la mets et après tu tires. Oh, putain. T'as pas une pompe, toi, parce que t'as pas de pompe non plus, toi. T'as vraiment des parisiens, les mecs. Hein. On compte sur le président. Regarde ça. Tu as regardé s'il est parqué dedans, lui. Ah oui, bah, il a fait 5 fois le tour. Après, tu regardais... Non, ça, c'est une connerie, ça. Il a dégonflé son pneu quand il a arrêté de pisser l'autre. Ah bon? Ouais. Mais quoi? Je suis genre une bonne scène. La Maxo aussi, mets-toi un peu. Couche-toi. Putain. Et là, c'est pas encore passé. Bah, là non plus, hein. On est pas prêt de le mettre avec ça. De derrière, ça fait bien, je trouve. Regarde chérie, un cycliste, je sais pas ce qu'il me rend. Ouais. Ta pompe. Tu veux que je le fasse? Putain. Non mais là, enfin, c'est les jambes tu blesses. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Là, tu remets la roue sur ton vélo et tu finis gonflé. Non, tu... Oh, j'en peux plus, c'est connard. J'en peux plus. Sur le disque. Putain. Non mais c'est clair qu'on va gagner des courses cette année. Ça, c'est clair. J'ai froid, t'as pas froid toi? J'ai des pieds gelés. Ouais. Moi je suis mouillé. Il y a combien de bornes là? Là, bon, ça va, 350 bornes. Là, il manque. T'as dit la gueule sur le pneu. Ah, vas-y. Mets quoi, il manque quoi là? Qu'est-ce qui manque? Monte là sur en fait, le vélo. Faut que le pneu là, faut qu'il passe là. Regarde, là tu vois là, t'as la zone noire. Mais en fait là, tu la vois pas, faut que ça passe. Et vu que c'est des jantes, tu blesses. C'est en gonflant. T'arriveras pas. T'as des jantes de merde. À 30 balles la jante. Oh, 30 balles là. Quoi, ouais, quoi, écoute, c'est quoi, je vais aller chez Jean, vas-y, me fait chier. Je vais me réchauffer. On a pas des gaufrettes, elle, là? Des gaufrettes. On était là.
Non, faut pomper encore. Mais ouais, d'ailleurs. Ça fait combien de temps qu'on a arrêté hein. Ah ouais, bon, on est reparti. Hein. Ouais, je peux sous... ça c'est des mecs qui soudent de ma gueule sur mes vidéos, mais là on va pouvoir, tu vois. Vous pouvez regarder les mecs, on a des espères là. Troisième gonflage. Je suis pas sûr, je suis sûr que dans 10 bornes on s'arrête, on est encore crevé. Ouais. Prends pas la Ouais, ouais. Oh, j'en peux plus, j'en peux de chier. Bon, merde, ça sent bon, merde. Regarde derrière, voilà. regarde derrière. Avec Maxou, ça fait bien. Je vais mettre des... Maxou, il a la bouche ouverte et tout. Hein. Maxou, ouais. Hey, Maxou, il fait que ça avec sa tête. Bon, voilà, les gars. Bon, sortie finie. On vient de rentrer, donc après la crevaison, bah... Qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré tout de suite parce qu'on s'est refroidi pendant un quart d'heure avec le bétail de Guillaume qui ne savait pas changer un pneu. Donc ouais, vous pouvez le foutre de ma gueule les mecs, mais bon lui apparemment il ne sait pas changer un pneu. Donc on est resté pendant un quart d'heure sous la flotte. Donc on, voilà, là j'ai pris ma douche, je suis tout propre. Et maintenant bah, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Hein, voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, à bientôt les gars, ciao, bisous.